You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous voilà de retour avec l'Olimo League numéro 113, c'est Rogue versus Hero, sous-entendu un des meilleurs PVZ que vous puissiez obtenir en ce moment. Donc voilà, je serais plutôt heureux. On est toujours en BO3 puisque c'est la particularité de l'Olimo League, je crois. Ouais, en demi-finale on est en BO3 quand on n'est pas sur un final mensuel ici. On va pouvoir partir dans ce PVZ de qualité. Il y a des gens... ouais, t'as spoilé le résultat de la finale de Team Liquid Mad Contest, mais... Balthazar, c'est dommage, qui était du coup très heureux. Et du coup qui s'est fait ban. Ouais, non, qui s'est fait time out, mais on va la faire. Et ça va être cool, parce que bah, voilà, ça sera une nouvelle map et que la finale était opposée, ce qu'on peut faire de mieux. Ouais. Ouais, voilà. Non, clairement, il y a du skill, et il y a de la game, et il y a de la nouvelle map, donc c'est tout ce qu'on aime nécessairement. Allez, on est parti ici dans ce petit PVZ, en bas à droite de la map sur Agoramove, héros. Et son adversaire en haut à gauche avec un pseudonyme de qualité. Donc les deux ont leur pseudonyme dans leur clan et un barcode. C'est Rogue pour Jhinnir Greenwings. Le fucking génie. Ouais, un génie, mais un génie qui, comme j'ai l'impression depuis maintenant quelques années, après avoir gagné la BlizzCon, perd de sa superbe. Ah, je parlais des mecs avec le clan pour le barcode. Mais sinon, oui. J'avais pas suivi ça. Rogue, si on est relativement honnête, il a surperformé pendant 3 mois dans sa carrière. Hein. Sinon, son niveau, il est très clair, ça s'appelle Rondo Fight. Ouais, le gatekeeper. Voilà, donc non, Rogue... Le mec qui maintient la porte. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que ces derniers temps, à BlizzCon... Bah... Après, honnêtement, l'enchaînement SOS, Life SOS... Était legit et SOS a toujours été inconstant, genre c'est pas spécifique à BlizzCon. Ouais. C'est juste que c'est un peu le... Enfin c'est marrant, il a cette réputation en fait d'être big match player, mais il a paumé pas mal de finales SOS aussi. C'est juste qu'il a gagné celle qui comptait. Bon, il a perdu quoi, une finale de GSL et la finale des IUM. Il a deux finales de GSL, il a perdu la finale des IUM et je crois qu'il a une autre finale Il a perdu Bion et il a passé quelle Innovation. Finale qu'il a perdu. C'était quelle année ça, putain, je pense. C'est la dernière GSL avant celle-ci. Pourquoi je me rappelle pas de cette game, c'est ouf. Parce que je me rappelle pas non plus de cette finale. Mais j'ai checké les Wikipédia pour voir les résultats de SOS. D'accord, putain, je me rappelle absolument pas de cette finale. Ouais, c'était le même process, genre faut qu'il gagne et puis... Parce que l'année où il... Non bah non, parce qu'il perd... Non, quand il perd bien, il perd quand sa qualité de Blizzcon. Il perd sa qualité de Blizzcon. Ok. Mais non, là il était quand même... Mais voilà. Tout ça pour dire que SOS. Non, mais SOS, il a gagné les matchs à 100 000 dollars en fait. Il est à 3 sur 3 dans ses matchs à 100 000 dollars. Donc forcément, peut-être que c'est really big game player. Ouais, c'est ça. C'est pas juste big game, c'est bon. Petite finale de GSL, ça compte pas trop. Ouais, bon, ouais, ça compte. C'est quand même 36 000. Ouais. Puis les IUM Pyeongchang aussi, c'était 50 000 pour le premier, hein, mine de rien. Ouais, il y avait beaucoup de fric pour un tournoi avec deux Coréens. On verra, LGM Pyeongchang qui sont aussi été un bon avant-goût, même si le niveau sera pas exactement le même de ce qui va se passer au WSG. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le bracket des IEM Pyeongchang, mais le combo classique Dark et Stats des WSG fait un peu plus peur, je trouve, que SOS Zest. Ouais, non, c'est vrai. Là tout de suite. Après, Zest c'est toujours. C'est surtout Zest quoi. Parce que SOS c'était solide quand même. Non, mais Zest c'est toujours la même chose. Tant qu'il joue pas de Zerg, ça va. Ouais. Non, c'est vrai. Dès qu'il joue un Zerg, il y a plus les aux abonnés obs. Hein. Il a pas main game contre un joueur de Qualifier Underdogs quand même. Hein. C'est vrai. T'es con. Arrête, j'adore cette définition de Stefano. Big up à tous ceux qui font le Qualifier. Bien sûr. Ah bah vous savez, hein, la taille de la carrière, forcément, n'a pas nécessairement d'effet hein, sur votre capacité à... Alors, qualifié en underdogs, on sait que c'est un bourbier. Ça a peut-être un effet sur la qualité de tes games, puisque, attends, c'est qui le génie qui avait proxy de Get Blind Lead Ball sur Catalina? Ah bah c'était... Risk ouais, c'était ouais. Risk, ouais. Enfin, ça c'est le highlight des qualifiers underdogs. De tous les temps. Voir le highlight peut-être de tous les qualifiers castés un jour. Parce que le mec a décidé... Faut vraiment être une merde pour faire ça, putain. Mais en vrai, son calcul est pas débile. Ouais, ouais. Mais c'est moi, je comprends pas. Mais, alors, ouais, mais ouais. Quelles sont tes chances de gagner contre Lilbo en PVP quand il est au top de sa forme? Bah peut-être que commencer avec une chance sur deux seulement que ton build marche restera plus élevé
Que de tenter un truc. Non, que de tenter un truc Macron. C'est juste, c'est débile de raisonner comme. En fait, t'es en train de choisir une stratégie. Allez, si on dit que t'as une chance sur deux de gagner ton proxy gate, qui a 25% de chance de marcher, mais il s'avère que dans ce match-là, c'est peut-être la meilleure. C'est ça. Alors, au final, la réflexion était loin d'être conne, et ça lui a d'ailleurs donné la victoire. Pour revenir à cette game, on a un opening Stargate où on a surtout massé du Phoenix, pas d'Oracle, hein, de la part de Hiro, qui a fait une gate expand et qui va se précipiter sur un troisième Nexus planqué derrière. Alors que du côté de chez Rogue, on en pile les Queens. On a payé les sports logiques. Ah, tu me diras, il a encore pour l'instant squeezé celle de la B2, il va la faire plus tard. Ah, et on a un vrai jeu Phoenix en face. À l'ancienne. Ça faisait longtemps. Wings of Liberty, quoi. Ouais. L'insupportabilité. Et là, en fait, le plus important pour le Zerg, c'est de pas trop perdre et surtout rester calme. C'est normal de perdre des probes. Bah, tu peux rien y faire. Tu ne peux rien faire contre. Ah, il a peut-être en tuer. Ouais. On était pas loin. Et du coup, on va jouer Colosse derrière. Et la régularité des shades de Hiro, qui est quand même de toute beauté, hein, qui lui permet de garder une idée assez régulièrement sur le compte d'unité de son adversaire, le positionnement des queens, etc. etc. Voilà, c'est de l'APM pour un effet qui. N'est pas gigantesque, mais qui est voilà qui est utilisé régulièrement. Attends, là, il va tuer des tumeurs. Je sais pas s'il l'aura. Oh, et quand t'as eu un attaque tout à l'heure, peut-être sans vouloir ici. Bon, après, c'est une tumeur qui survit. Il y avait sa copine, c'est pas non plus la fin du monde. Rogue avec un T2 tellement tard. Ouais, on a 6 minutes de jeu, c'est intéressant. Les queens qui vont s'approcher le plus rapidement possible pour essayer de se débarrasser d'un phénix, ça ne marchera pas. Après, il a B4 en cours, il a bientôt 70 drones. Enfin, il y a des raisons pour acquérir le T2 est tardif, mais holy shit, Rogue, ça va tranquille, hein. Kiffe la tech tier. T'as envie de lui balancer des DT dans la gueule à cet homme-là, hein. Ouais. Et payer double sport. Je pense que t'as pas le choix au bout d'un moment. Le problème, c'est que les sports, ça empêche pas les phoenix de venir gratter. Ça ralentit la durée du grattage. Mais ça reste compliqué. Tentative de rugby ici qui n'est pas passée. Mmh. On va faire le grand tour et on a un prisme transfert qui a récupéré les deux adeptes d'origine. C'est qui va les mettre la pression. Ouais, non, il a perdu une prop ou même pas? Je crois pas non. Ah, c'est vrai que tu dis en vrai, le seul truc qui te manque là ici c'est la révélation. Hein. Mais sinon, par rapport à un oracle, t'as fait beaucoup plus de kills que prévu. Hein. C'est ça, après t'as plus dépensé. T'as effectivement plus dépensé. C'est la force des strats un peu oracle, c'est que pour deux, la modique soak de deux oracles, vous aussi tuez 4 ou 5 drones. Petit cancel des shades, je pense pas qu'on va les récupérer. T'as comment il est trop relou mec. Il est insupportable. Ouais non mais. En fait tu sais si tu fais ça à un mec qui est un peu moins fort que Rogue, bah le mec il est déjà mort là. Au lieu d'avoir 74 drones, il en a 55. Ouais. Il a raté la moitié de ses injects. Parce que les queens elles sont pas souvent à côté des hatches, hein, faut les remettre. Et le T2 qui a été passé là, intéressant, faut savoir que le T2 et le T3 ont légèrement plus de PV que les hatches. Rogue qui rush T3, tranquille. Ouais. Et qui devrait jouer Ultra du coup? Ouais, ou Broodlord, puisqu'on voit une. Ouais, tant que ouais, après, bon, les upgrades de mêlée qui sont pas inutiles avec Broodlord. Ok, la B4 qui est défendue ici par Hero. Hero, là, le plus important, c'est de reconnaître ce qui se passe de l'autre côté de la carte. Ce qui devrait être assez facile, il a juste besoin de venir ici. Et voilà, on est au courant maintenant de réagir en conséquence. Quand tu rushes T3, quand même, le positionnement de Solaire est peut-être un peu questionnable quand même, mais bon. Bon allez. Ouais. Au final de toute façon contre Phoenix, t'es pas censé garder beaucoup d'informations masquées mais. Ouais. Là c'est juste qu'il le sait très vite donc. C'est dommage, ça aurait dû être sur la B2. C'est la base la plus difficile d'accès au final une fois que t'as pris cette B3 et cette B4. Le problème c'est que là tu vois Hero, il joue pépère la macro game hein. Il rajoute une Stargate, Fleet Beacon, Archives des Templiers, il manque un peu de prop je trouve. Seulement 61, c'est vrai que c'est pas. Est-ce qu'il va en rajouter maintenant? Parce qu'aussi, il est normal qu'il ait que 61 probes en ayant pris la pocket B3. Maintenant, là, il a une vraie, il va avoir une vraie base en plus. Est-ce que tu rajouterais pas deux petits tours de chronobos, faire 10-15 probes de plus? Parce que c'est trop low sinon en écho, je trouve. Ouais, face à un joueur Zerg qui a 82 drones, qui est en train de dépenser une majorité de ses ressources dans des banelings quand même. Positionnement intéressant, je sais pas exactement ce qu'il veut faire, il veut crasher d'armée en fait. Tout ouais, je pense que ça va quand même cramer spam, c'est bien ce qu'il vient de faire là. Hero, il se montre, une force de Bane qui sont pas forcément ultra intéressants tout de suite. Les Bane c'est vraiment une tech que tu veux faire au dernier moment. Attention ici le prisme à votre parasol qui est en train de prendre la foudre, va se barrer sans récupérer ses zélotes qui trade très bien d'ailleurs. Ouais, qui trade avec beaucoup de zerglings donc c'est plutôt pas mal effectivement. C'est bien là les zélotes. Hein. Ouais, et puis c'est des zélotes sans la charge hein, pour le moment qui viennent de générer ce dégât donc mine de rien, loin d'être dégueulasse. Pour le jeune Hero, les deux banings à droite qui ont été anticipés, je sais pas trop comment. Et qui ne splash pas en l'air.
Oui. J'avais dû le refaire au ralenti pour expliquer à tout le monde, mais il n'y a pas de splash damage. Ça coupe pas. Par contre, ça fait du dégât au sol. Du coup, ça sera ultralisque. Je sais plus en fait. Ultra dans un premier temps. Et en face, le mec fait des void ray. Genre, il a tout compris, Rogue. Après, j'aime bien le call void ray là en fait. Parce que s'il y a bien une chose qu'on n'a pas vu, c'est des hydras. Ouais. Et du coup, même si le mec part Broodlord, si t'as masse void ray, tu croches les. C'est ce qui croche le mieux les corrupteurs. Hein. T'as pas besoin de tempeste. T'as juste besoin de rouler sur sa pop aérienne. Bah ouais, les void ray pour ça, c'est le top. On a de la PM et de l'énergie apparemment. Et là, tentative de run by. À quel point on est réactif? Mais plus ou moins réactif. Après les Banes sont toujours pas gérés. Hein. Ouais. Prendre 7 probes. Oh oh. Dommage. Il est revenu dans le mauvais timing et surtout dans le mauvais axe. C'est pas la folie cette probe, mais c'est tout à fait correct. C'est pas non plus déprimant. Ok, donc Mass Link Bane avec gros upgrade puisqu'on a plus 3 de mêlée, l'armure chitineuse, les glandes surrénales, tout ça est envoyé en même temps. La raison, c'est 84 drones hein, qui lui permettent de se mettre au méga bien d'un point de vue économique. J'ai peur sur cette fight, hein. Va falloir recall très très vite je pense pour Hero, ouais, qui n'a pas trop compris. Bah force field contre ultra. Ouais, après les ultras sont pas là tout de suite. Ils seront là dans 10 secondes. En tout cas un sera là dans 10 secondes. Ah, c'est chaud ici, le timing est serré mais là il y a beaucoup de dégâts zone quand même. Il y a deux colosses, il y a des storms. Des void rays qui sont pas trop contestés non plus, qui pourraient se révéler extrêmement pénibles. Et on vient juste pour le creep, j'ai l'impression, quoique non, il a l'air d'avoir envie. Rajoute Stargate, il a un fleet beacon, désormais héros qui pourra anticiper une éventuelle transition aérienne. Je croyais qu'il l'avait déjà fait. Attention! Ouais, ça va lui coûter un Templar, une Sentry, peut-être un deuxième, je sais pas exactement s'il a pas perdu deux Templars sur cette histoire. Un seul Templar. Par contre, il y a 4 Sentries qui viennent de mordre la poussière, je crois qu'on en avait pas perdu avant, ce qui veut dire que toutes les Sentries sont mortes, donc le plan Force Field. Ah, bon, il y a 4-0. À l'instant. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Autant pour moi. Du coup, est-ce que tu comprends là, si t'es Hero, que ton adversaire il est en train de jouer Ultra? Tu les as toujours pas vus, ils ont mis du temps à sortir d'ailleurs. Ouais. Après, il a tellement de Bane qu'il peut même plus péter le mur, il est obligé d'attendre ses Ultra. Il y a plus de Zergling quasiment. Ouais, quasiment plus de Zergling. De Zergling. Ça, c'est un énorme run by de Gling par contre qu'il va falloir contester hein, parce que c'est du Zergling 2-1 avec les Grandes Surrénales. Je crois qu'il restante sur certains. Certains High Templar. Ouais, excusez-moi. Oula, l'infiltration. Le problème, c'est que la Storm, c'est moins valable quand t'en as dans toutes tes bases. Il va falloir recall. Hein. Ouais, ouais, c'est chose faite. Ça va coûter cher quand même. On a déjà 3 props qui tombent. Le Wall qui va être pris. Le Cybernetic Core qui cherche le plus en attaque aussi. Ça, c'est malin. Bien content d'avoir les Colossiens. Et les Zerglings qui se barrent. Bien fait de la part de. Ça lui a vraiment pas coûté grand chose. D'ailleurs, il aurait pu prendre cet Immortel s'il avait été dessus. Move command là. Et là, hold position. Les Gling qui attendent leur mort dignement. C'est bien, ne replie pas. Le Cybernetic Core qui est une très bonne cible, les Gateway, le Wall pété, il y a tout un tas de choses qui sont positives là dans cette séquence pour le joueur Zerg. Le Cyber qui va être envoyé que maintenant, donc encore une fois un peu de perte de temps par rapport aux upgrades aériennes. Et double aiguille, hein. Double Spire, la grande, la petite, qui d'ailleurs se termine rigoureusement au même timing. On devrait balancer double upgrade donc. Ouais, à voir maintenant comment on s'y prend pour Rogue pour tenter de plier la game. On a de la banque, on a Mastion, mais on a une armée qui là tout de suite c'est pas oufissime. Ouais, une armée somme toute. Ouais, je sais pas, il y a quand même beaucoup de Bane. Alors bien sûr, les carrières seront intouchables, et le reste de l'armée devrait se faire vaporiser. Logiquement, de toute façon, tu trades un peu une partie de ton armée avant pour faire les corrupteurs dont tu auras besoin, le 1 qui a été lancé, les Ultra qui se rattaquent à ce caillou, unanime fort. Bah, pas si vite que ça. C'est correct. Ouais. Autant de shots que de. Ça attaque vite par contre, l'ultralisk comme ça peut attaquer. Bah ouais. On s'en rend pas bien compte parce que souvent l'ultra n'attaque pas. Run by sur la B4. Ouais, c'est bon. Ok, c'est des canons majoritairement qui ont été détruits et les probes ont été maintenus en vie. Casser du bâtiment aussi, les carrières qui ont été révélées et du coup voilà, ajout de corrupteur pour Rogue. Toujours dommage de perdre les queens là, attention, Vachette. Vachette perdu. Ouais. Les transus c'est vraiment très très fort en late game. Run by numéro 150. Notamment cette base hein, qui pourrait se faire choper et peut-être même les Templars. Ouais, les Templars sont ultra dead. Après les Zerglings sont ultra dead aussi. Ouais. Ouais, je prends le trade. Ça allait tellement vite. Ouais, ouais, non, clairement. Comme je suis toujours Zerg. Qui reprend des lignes. Est-ce qu'il peut vraiment rentrer dans cette pop? Il va tenter. Hein. Là, tu vois le bon travail sur la micro. On en voit que quelques bains qui en plus vont connecter. Pour forcer des storms.
Et on trade encore un peu de pop, mais il a fait beaucoup de Zerling, du coup il a pas beaucoup de corrupteurs sur le champ de bataille, seulement 9. Après moi ce qui me fait peur c'est l'absence d'économie chez un réel, chez Hero. Ouais. Et il a 66 probes, ok il remonte, mais c'est important hein, parce que Rogue lui, il aura une deuxième armée. Et là, run by. Okay, les Archontes qui font du bien mine de rien, ouais. Dans le fait de gérer cette séquence. Bouclier Protoss et double cybernétique corps qui sont en train de travailler sur les améliorations aériennes au sud-ouest, un prisme au nord, un prisme également. On a cette opportunité d'aller chercher hein, du dégât de harcèlement et notamment aller se débarrasser de la tech. On va faire pleuvoir les spores aussi, les structures défensives qui seront bien utiles. C'est ça, le problème pour Hero là, c'est qu'il a besoin de perdre des unités, bah, il est en train de se tuer des immortels notamment. S'il veut pouvoir warper quelque part ou même rajouter des unités aériennes. Alors que là, c'est facile les run-by pour Rogue, à 200 à l'heure, il y a un creep qui a réussi à finalement s'avancer. C'est pas gagné au début. Hein. C'est la Storm ou pas ça? Storm. Ouais. Ok, là il va tout perdre. Joli speed de Bane. Run-by de Blinkstalker de l'autre côté qui fait du dégât, on a perdu 13 probes, c'est toujours pas géré, la base au bas va être forfait. La base du Nord pourrait être défendue, les Ultralis sont en train d'arriver, le run-by qui est toujours pas géré. Mine de rien qui pose problème à Hero. Ouais attention ici les ultra dans les stalkers faut être réactif, ok c'est le cas pour... Ouh là là on n'est pas passé loin d'un quadruple coup de la MKZer sur les stalkers qui n'auraient pas kiffé leur life. Ceci dit Hero a sanctionné lui la B7 du joueur proto, du joueur Zerg. Ce qui laisse toujours deux bases d'avance à Rogue, qui en plus sait qu'il n'y a pas de base, ça c'est extrêmement pénible. C'est tellement important d'avoir le bureau dans ce genre de situation, il va perdre tous ses trackers là. Pas vraiment d'intérêt à essayer de perdre du temps à micro, à essayer de blinker alors que tu n'as aucune aide à côté. Alors il vient de refaire 13 zones, non? Ouais c'est essentiellement pour faire des sports. Puisque voilà avant on parlait de la reprod Zerg, aujourd'hui le vrai late game Zerg c'est le mass défense statique. Petite opportunité enfin pour ce prise maintenant qu'on a perdu de la pop, ceci dit je vois pas quel 3 de supply tu peux voir ici qui font un diff. Quoique peut-être dans cette base qui est non protégée. Ouais 4 zélotes pourrait être cool. Il fait des DT et il n'y a pas de sport ici. Le bon endroit. Bon, après, on va récupérer le prisme instantanément. En ce temps-là, le reste de l'armée qui est en train de bouger. Big up, mais où Anos nous dit Crash Boy. Mais il est tranquillement dans une petite période de vacances là. Ouais, on viendra en forme. Attention, les DT qui sont en train de faire LOL du sashimi d'Ultralisk ici. Loul. Mais non. Mais c'est pas possible. L'Ultra qui bouge le cadavre de son pote. Il vient s'en rendre compte, hein. Ouais ça a mis du temps à connecter hein. Bon pendant ce temps là il a encore une fois repoussé l'armée. Et il est réactif Rogue, Hero qui est en train de se débarrasser de toutes les défenses statiques sans le reste de l'armée hein, grâce coup, à deux DT mec. Du coup il n'y a plus de... Attention les storms, oh là là on s'est baigné dans les storms ce coup-ci. Est-ce que les correcteurs peuvent faire la diff? Peut-être mais j'en doute avec tous les arcs-consoles. Est-ce que cette armée est attaquable? Là tout de suite maintenant, sachant qu'on a plus de thunes chez Rogue hein. Oh là là. On n'a pas de minerai, il y a des storms partout. Le Mother Chief est toujours pas mort. Outplayed. Oh la vache, il vient de faire l'amour XXL. Ah bah c'était 17 minutes de je tourne en roue autour du Protoss pour que ce soit lui qui te rentre dans l'art. Le tigre s'est réveillé et t'as bouffé en fait. Il y avait 30 000 de ressources perdues pour Rogue contre 10 000 pour Hero à la fin. Ok c'est tiens, genre il est Omega outplayed. Ouais non, pas serré malheureusement pour Rogue ici qui... Qu'est-ce que the fuck. Bah je sais pas déjà s'il peut gagner la fight dans ses sports mais en tout cas là a perdu la game sur 2 DT. Après ça, 17 hein. minutes de jeu. Et on se rappellera bien sûr du call d'Imre. Hein. Je ne sais pas quel 4 de supply pourrait changer la partie. Bah voilà, mais je ne savais pas. Eh ben voilà, tu l'as découvert. Ouais. C'est 2 DT. Bon, j'avais pas anticipé que 2 DT allait coincer 3 machettes dans... Et attirer le reste de l'armée, du coup, ouais. De manière panique hein, pour Rogue. Qui est justement à spawn en bas à gauche. Il a changé de couleur histoire de rendre ça un tout petit peu plus confusant. Il est bleu désormais. Le Zerg de Jyn'Erg and Wings Rogue. Et face à lui, en bas... En haut à droite, pardon, pour la team Root Gaming. J'ai failli dire si Gentius. Hero. Si Gentius qui a rename d'ailleurs. Pour s'appeler OGN quelque chose. C'est Duro, merci beaucoup pour ton resub. Si Gentius est en fait la maison mère d'OGN, mais ils ont décidé d'être plus clair. Voilà. D'accord, mais parce qu'à l'origine, c'est, j'imagine ils ont racheté le groupe OGN ou ils ont racheté ouais, le groupe CJ, je sais pas comment, dans quel sens ça a marché, mais bref. CJ c'est du... Bah, ils font tout en fait. Ouais, CJ. Ils font tout ça. Il y a de l'entertainment, il y a de la bouffe, il y a du... C'est un shyball quoi. Ouais. C'est comme tu penses à Samsung, nous on pense qu'elle a tech, mais Samsung fait tout. Je
pense que pour tous tes problèmes dans la vie en Corée, Samsung est une solution. Ouais, mais si tu regardes, tu sais, il y a plein de films en fait que tu regardes et tout, des films coréens et tout machin, c'est CJ Entertainment quoi. Ouais, genre, ouais CJ c'est logo. Comme très très gros dans les médias. Ouais, c'est un gros média. Et Entus, ça veut dire Entertainers. D'accord, je savais pas du tout. Voilà. Mais voilà, mais du coup. Mais c'est tous les noms d'équipes bizarres avec des mots anglais qui sonnent anglais mais tu comprends pas ce qu'ils veulent dire, bah c'est des contractions en fait. Genre KT Rollster, c'est roller coaster, tu vois. Ouais. C'est... Ouais. Mais c'est vachement moins bien que KT Fingerboom. Fingerboom, c'était la meilleure, hein. c'était la meilleure mouture de cette équipe. Ouais, après, je sais pas. Ah, les pro gamers qui Fingerboom, quoi. Ça rigole pas du tout. Aïe, aïe, aïe. En vrai, je connais pas ces brodeurs, mais je me demande si la line-up KT qui remporte la Pro League. La Pro League est pas une des meilleures. Ouais, c'est KTF Magic NS, je crois, à l'époque. Ouais. Je crois que c'est ça. Non, mais je veux dire, même sur StarCraft 2, la line-up était quand même assez sexy. Même si c'était pas la line-up SKT. Ouais, ça rigolait pas du tout. Hein. Ouais. Bon, la line-up SKT était 6 étoiles. La line-up SKT de 2015. Avec genre Parting sous. Non. Parting sous classique, dark, innovation. Et un sixième dont on s'en vient plus, mais pourtant on avait 5 autres pour gagner les matchs. Ah, Dream. Ah, ouais, il y avait Dream. Ouais, bordel. Oh, le fait qu'ils aient perdu cette finale, c'est tellement improbable. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est-à-dire, il y avait 6 BO1, donc tu mets ces 6 mecs-là sur des maps où ils sont bien. Et tu pommes contre Action. Entre autres. Qui gagne son ZVZ contre Dark, je crois. Like a boss. Ouais. Toujours pas de B3 pour Rogue. Il s'est fait tellement kikiner ici par la probe. Ouais, et puis qui paye la carapace pneumatique très tôt dans la game aussi. Ouais. Ce qui. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Sachant que tu vas scouter une target. Mais on va voir ce qu'il en fait. Il va peut-être attaquer. Bah, la logique voudrait que tu payes en payant cet upgrade rapidement. T'aies envie d'aller chercher. T'aies envie d'aller chercher du drop, hein, mais. Ou je sais pas trop quoi en fait. Et du coup, Ikari qui nous dit, avec ce qui ressemble à une quote Wikipédia, que CJ Group aurait été une branche de Samsung jusque en 1990. D'accord. La consanguinité de l'industrie. Oh bah, c'est un petit pays, hein. Coréenne. Wow, ils sont nombreux quand même. 30 millions. J'aurais dit 50 ou une connerie comme ça. Je crois que c'est pas. Je sais pas, ça se confirme. J'en parlais avec Edwinson la dernière fois qui me disait 30 millions, je crois. Ok, ok. Genre la moitié de nous, quoi. J'ai tort. Ou 35 millions, tu vois. J'ai probablement tort. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle en sait à part d'être coréenne et avoir un cerveau qui fonctionne plutôt pas mal. Ouais, bah c'est deux éléments qui inspirent pas la confiance sur ma théorie à moi. C'est vrai. Mais elle avait pas l'air de savoir, tu vois. Ok, ok. Donc je me prépare à avoir raison. Non, pour moi ils sont nombreux. 50. Ok, gagné. 51 millions en 2016. Trop chaud. Ouais, quand même. Bon, pas si petit pays que ça alors. Tiens, je comparerai. Bref, la densité par rapport à la France, du coup. Scandaleuse du coup. 5 fois plus élevé, j'avais l'impression, mais je me souviens plus de la densité de la France. Pendant qu'on va observer un phénix, phénixé, l'adversaire. Ouais. Un phénix original. Hein. Ah ouais, j'avoue. On n'a plus l'habitude. Et big up bien sûr à cette pub pour le e-flingue. Voilà. Alors, ça, c'est ouais, 5 fois la densité de la France. Voilà. Logique. Ah, parce que c'est quand même sacrément petit la Corée du Sud. Enfin, petit. Ça se traverse en 4-5 heures quoi. Ouais. Une grosse Corse. C'est ça. Non mais ça me fait penser à ça parce que t'as de la neige et de la mer. C'est ça. Eh, tu vois qu'elle était traumatisée, le pauvre Rogue. Double sport B. Double sport B1. Bon, seulement une sport B2 et une sport B3. Mais... Ça manque un peu de queen là pour défendre. Eh, est-ce que ça manque pas d'unité tout court? Je veux pas être méchant mais il y a des adeptes qui traversent la carte. Alors les queens c'est cool, ça meurt pas contre les adeptes. Mais ça les tue pas non plus. Ouais, ça les tue pas non plus. Par contre les oracles ça fait le boulot. Ouais, les oracles ça fait le bouton, il y en a 3. La vue est totale. Où sont les adeptes? Les adeptes sont dans la B1. Oh là là. Oh Hiro. Ah bah Hiro il a trouvé que c'était un peu mou du genou en fait du côté de chez Rogue et du coup il est en train d'abuser de son corps quoi. Ouais. Puis il y a des mecs comme ça qui te rendent StarCraft facile. Sachant qu'en plus Hiro est vraiment parti pour un build qui figurait presque dans la crémerie. C'est-à-dire que Rogue est en train de scouter sa mort. Absence de B2. Mais disons qu'il y a beaucoup quand même. Ouais. Après le conseil crépusculaire qui a tardé à faire la charge. Ouais, la charge, c'est dommage ça. Le bon côté, c'est qu'en fait, Rogue l'ayant scouté, il est peut-être pas mort. Parce qu'il peut rester sur 44 drones et faire masse unité, rester sur ses 3 bases tant qu'il n'y a pas de 3ème Nexus. Bah, ça a l'air d'être son choix, il y a masse roach en production. Et le 3ème Nexus, bon, il n'y en aura pas. Voilà. Merci.
Azeloth Factory. Ouais. Elle est partie. Est-ce que ça passe? On a laissé quelques adeptes de l'autre côté de la carte qui vont continuer d'aller prendre de l'économie. Allez, ça fait déjà deux drones, on va en prendre un troisième. On va peut-être en prendre un quatrième joli micro sur les drones hein, de la part de Rogue. Attention, les shades un peu FK là. De toute façon, tu vois qu'il est aggro sur ses shades. Hein. Ouais, bon. Lol. Des perrières, deux adeptes, on ne sait où. Ouais. Insupportable ici, héros. Après, il a donné beaucoup, hein. Mine de rien. Enfin, tu me diras, beaucoup. Il a perdu bah, en fait, adeptes. J'aimerais bien sa game s'il avait une B3 et qu'il faisait une macro game. Après, là, en étant sur une position all-in où en plus il a donné sa, fin, il a montré sa stratégie, effectivement, c'est un peu moins sexy, quoi. On va voir si ça passe. Hein. Il peut aussi prendre la B3 toujours et défendre, parce que du coup, celui qui est all-in réellement, c'est Rogue. Ouais, parce que lui, il a parfait de drone. Hein. Et que là, tout est vu. Ok. Le poteau Rogue est vu. Ok. Le poteau Rogue. Ok, le Warpath de l'autre devant. Mais non. L'adepte. Mais l'adepte complètement AFK, qui a pas compris du tout qu'il était censé garder la porte. Il avait pas compris sa mission de physionomie ce soir. Ouais. Oh, il poule les queens. Hein. Il poule les queens. Oh, il y a des 5 queens. C'est chaud, hein. C'est tellement chaud. Alors après, il y a un prisme et des arcs, hein, ce qui rend l'impossible vachement plus possible. Ouais, mais quand il se passe ça. Et l'adepte. Mais l'adepte, mec, t'en as pas marre de foutre la merde, putain. Non, mais par contre, là, c'est bien. Parce que c'est Zergling qui gogolise maintenant. C'est vrai. Avec l'oracle qui était en AFK au-dessus. Ah, ils vont ressortir les Zergling. Ouais. Il y en a avec des pour se faire défoncer par des archontes. Mais... Attends, est-ce que ça serait pas des Templars pour un des feedbacks? Ok, oh, voilà. Joli. Ça c'est fait. Parce que ça c'est tellement bien. Les petits détails qui font les grands joueurs, parce que tout d'un coup t'as un archon, hein, mais surtout il y a deux queens qui ne sont pas de transfus. Et ça se joue maintenant cette game ici, cette série potentiellement pour Rogue pour une place en finale de cette Holy Moly numéro 113. Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop pour Hero? Ouais. Les bons force field. Les Zélotes qui sont en train de faire un gros carnage. La build corrosive qui va être dodge. Les archontes au corps à corps en train de faire un massif dégât sur les ravageurs de Rogue. Et voilà, c'est déjà épuisé un peu ce go là. Ouais. Et on a perdu du minerai, on a perdu que des Zélotes. Les archontes ont été maintenus en vie, les immortels également, les sentries également. Puis alors la petite micro avec le prix, c'est facile StarCraft 2 quand tu t'appelles héros des fois. Pop. Mais sérieusement, les archons. Vraiment, je trouve ce qui est clé avec les archons, c'est leur faculté à toucher des Zerglings et quelque chose derrière. A chaque fois de splash, vraiment, sur. Là, les beaux force field leur ont permis de mettre à profit leur capacité de dégâts de zone. Et désormais, héros va pouvoir face roll. Allez, dans l'armée de Rogue. Les petits dodge de Bill. Le GG. Qui font le travail. Noreux, ce sera le 2-0 infligé. Par Hero face à Rogue qui n'a pas du tout existé dans ce match. On va rajouter un petit force field sur la rampe histoire de faire chier, même s'il nous reste des ravageurs avec la build corrosive va connecter. Ça fait 2-0 GG. Hero est en finale de cette Holy Moly. Ouais, puis tranquillement là, on a roulé sur la tête de Rogue en l'espace de 8 minutes, j'ai envie de dire. La dernière minute de la partie précédente et 10 minutes du coup et les 9 de celle-ci. Mais facile pour Hero. 17 la première quand même. Oui, mais c'est sur la dernière minute qu'il lui roule dessus, je veux dire. Ah oui, c'était c'est ça vrai. Mon problème. Oui, il a enclenché la seconde et tout d'un coup, il n'y avait plus personne. Et on n'a même pas eu besoin de forcer son talent, j'ai envie de dire. Maintenant, on aura soit un TVP, soit un PVP en finale, puisque notre deuxième demi-finale opposera Murloc. Merci Murloc. Bon, non, ça n'opposera pas Murloc ici, ça opposera Ryong à Stats. En TVP. En TVP, du coup, nous, si on t'aime Thanatos, 38. Ouais, 38 mois, l'écran bug un petit peu, mais oui, c'est bien 38 mois, plus de 3 ans, merci beaucoup pour ta fidélité. On fait un tout petit break et on revient avec la deuxième demi-finale, donc on vous l'a dit, Stats versus Ryong TVP, à tout de suite.